Donc actuellement, je vais interroger un petit peu la gagnante de la voie des îles de la Lune. Elle s'appelle comment? Bonjour, moi c'est Warda, Voilà, je viens de Warda. Wunibambao, j'ai 18 ans 18 ans, tu es la et je suis la gagnante de la voie gagnante de des la voix îles, des îles de la Lune. première édition. Alors comment tu te sens d'abord d'être la gagnante? Très bien. Très bien, Oui. tu es fière de toi. Parle-moi un petit peu de ton parcours. Bah, c'était une excellente parcours. Moi je D'accord. dirais ça va. Je sais pas quoi dire tellement Tu as pu c'est. acquérir des expériences. Oui, j'ai D'accord. beaucoup appris. D'accord. Par rapport à tes collègues, bah, les adversaires, on peut dire ça, ou bien les jurys. Bah, Mais tu avais Johar à par côté. rapport à mes copines, D'accord, parce ses que c'est copines. comme si c'était mes amis en fait. Et D'accord. je sais pas quoi dire tellement que je suis très contente. Les mots me manquent en Qu'est-ce qui fait. t'ont apporté exactement? Le courage d'aller faire encore ou de Oui. participer Parce dans... qu'au début, moi, je stressais beaucoup et je crois que maintenant, Parle un petit peu plus fort. je crois que maintenant, je peux pas stresser. Voilà. D'accord, très bien. Tu vas pas te stresser. Alors là, aujourd'hui, tu vas participer sur Festival Miroir des Comores. Ça te fait Oui. quoi de prendre part dans une telle occasion? Bah, déjà, ça fait plaisir que D'accord. je suis parmi les artistes comoriennes. Là aujourd'hui, tu es artiste, c'est ça? Ouais. Ok, super, bah, ça c'est cool. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu attends du public ou bien des autres. De tout quoi, de cet événement? Bah, j'espère qu'ils vont aimer et vont prendre du plaisir, voilà. Ils vont prendre du plaisir. Tu les as réservé quoi? Belle surprise. Belle surprise. Oui. Ça sera en comorien en français. Je vais avoir En juste des comment rien. indices. En comorien? Oui. D'accord. Et ça sera en live, c'est ça? Oui. Oh, bah, c'est live, yo. Oui, en live. Ok. En live. Moi, je vous avais envie d'aller à Masta. Ah non. Oui, avec lui, Je oui. pourrais pas, elle est trop forte. En Hein. plus, il Non, m'a non, aidé, donc. mais non, je t'ai pas aidé. Il est là, Non, c'est Masta. Masta toi-même. aussi. Si, tu Non, m'as c'est aidé. toi-même. Masta. Voilà, tu es en direct sur Dunia Web. Parle-moi un petit Salam peu de cet événement. Tu vas prendre part alaykoum. Ouais, c'est un encore une événement fois. phare parce que c'est un événement qui met en lumière les artistes comoriens, tu vois. Après, il faut voir aussi que c'est pas évident pour un artiste comorien de se développer en France, tu vois. C'est pour ça qu'il faut. Il faut aussi remercier Nams Events par le biais de l'événement qui a été organisé antérieurement, précédemment, là, il n'y a pas longtemps, et qui a fait émerger pas mal d'artistes comme notre belle. Viens ici, tu vois où là? Notre artiste Warda qui, Warda. franchement, a une très 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 belle voix et Merci. un avenir dans le milieu de la musique qui sera J'espère. grandiose et glorieuse. Je l'espère très très bien pour elle, pour Moi nous tous, aussi. pour la communauté, pour le Comore, pour les Comores, pour. Tu vois? Yes. Et franchement, aujourd'hui, on est venu ici pour, voilà, pour donner Soutenir, notre hein. soutien, Un pour soutien. apporter notre part de force à cette communauté qu'on espère grandir de plus en plus, prendre de l'ampleur. Et grâce à des jeunes comme la très très jolie qui est en face de moi, là, obligé, Alors, on va arriver là. Masta, tu as pu écouter plusieurs candidates qui ont Oui. presté. Je crois qu'il y a Faïma, il y avait Oui. aussi un niveau supérieur. Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui Non, pour les encourager? franchement, il faut comprendre un truc. C'est pas, en fait, aujourd'hui, c'est pas la première fois que ces jeunes-là chantent. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ils avaient besoin d'une lumière. Mais la musique, ils connaissent la musique. Vous avez vu, je vais prendre l'exemple de Ellie. Ellie, franchement. Pour moi, c'est comme si c'était une évidence. Même lui, il se disait que l'événement, le concours, je l'avais. C'est comme s'il se disait, c'est acquis. Et il s'est pas donné au maximum. Parce que Ellie, franchement, je l'ai écouté, il a une voix incroyable. En fait, y a pas, on ne peut pas sortir quelqu'un de. En fait, on ne peut pas se dire c'est elle ou telle ou telle ou telle qui est meilleure que l'autre. En fait, en gros, si vous regardez bien, si vous avez bien suivi l'événement, du début jusqu'à la finale et demi-finale, enfin, toutes les filles qui étaient là, et Ellie, toutes les personnes qui ont participé, ils ont montré un niveau très, très, très élevé. C'est un niveau que moi, franchement, je salue, quoi.
D'accord. À part Warda, Warda, elle est là aujourd'hui. Mais on va parler d'Eli, Fahima, Salma, etc. Les autres, il y avait Meïssara. Donc, si tu devais choisir parmi les cinq, Là, c'est tu me mets dans la merde, difficile. là. Non, Là, je mais sais là, que c'est difficile, tu l'as tu me dit. mets dans la merde, là. Là, tu cherches à mettre dans des histoires et tout. Non, non, non. Il n'y a pas à choisir. Si tu devais monter sur scène, là, aujourd'hui, Je avec... monte avec tout le monde. Selon... Je Avec tout le monte monde, avec même waouh. avec toi. Tu montes avec moi, frère. C'est les comores qui gagnent. Il n'y a pas... Tu peux pas sortir... tu peux pas. Tu vois, c'est un ensemble. Chacun a son truc. Chacun ramène sa petite touche avec sa voix. Elle a une voix... elle a une voix incroyable. Hein. C'est qu'elle arrive à faire des aigus, des basses, des voix graves, des... Et elle a une panoplie de... Elle mérite la première place alors. Franchement, elle a mérité de gagner, tu vois. Elle l'a Mais non, mérité. aujourd'hui, toutes les autres, et Ellie en particulier, tout le monde a mérité de gagner. Ouais. Voilà, il fallait qu'il y en ait Ça une va? ou, ah, qui gagne. C'est elle qui a gagné, heureusement. Donc, je suis content pour elle. Parfait. Et content pour les autres aussi, parce que ça leur a permis, ça les a permis aussi à eux de se faire une image, de se faire connaître aux yeux de tout le monde, grâce à qui? Grâce à vous, grâce à l'événement, grâce à NAMS Events et les Millennium Comariennes. Parce que c'est grâce à eux, il faut préciser. Hein. Merci, ma Parce que ça fait femme. longtemps, moi je, ça fait longtemps que la musique comarienne, elle est véhiculée en France, elle existe en France. Sauf que personne ne s'est déjà donné les moyens, on s'est déjà dit, vas-y, venez, on fait quelque chose, on essaye d'apporter notre soutien à ces jeunes. Mais non, personne. Aujourd'hui, des femmes comme Naïma, NAMS Events et les Millennium, il faut les soutenir. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les partenaires. S'il y a des partenaires qui nous écoutent, venez apporter votre soutien. Venez aider la culture comorienne à se développer au-delà de nos frontières. Donc, on vous attend. Vous avez tous les contacts. Vous appelez tous ceux qui peuvent aider, qui peuvent apporter, ne serait-ce qu'un Masta ton snap. verre d'eau. Masta ton snap sur Dunia Web. Les gens vont Hein? le découvrir là. Ton J'ai snap. besoin que les gens Mon découvrent ton snap. snap, oui. Mon snap, vous connaissez même Tous pas. Le réseau, Les Facebook réseaux, je ou connais rien. Insta, Non, tu connais pas. Masta Wesh avec un C, pas avec un Masta S. Wesh. Après, pour tout ce qui est snap, snap c'est... Ah. Ouais. Instagram, c'est mieux. Mastawesh, vous avez bien Mastawesh, entendu, c'est Mastawesh. Ouais, Alors, c'est Mastawesh Luch. Le Snap, non, le non, Snap, non, non, c'est non, 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 Snap, non, 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 les non, Instagram. non. Non, Ok. Instagram, c'est mieux. Snap, Instagram. c'est. Voilà. Ok, vous avez bien écouté. Là, on va descendre en bas pour prendre un petit peu les images qui sont en bas. Merci Warda, merci Merci, merci à vous Masta. tous. C'est force. Force, c'est les Comores qui gagnent. Yes, c'est les Comores qui gagnent. Gassi va nous. Il y a la force. Tu Da. vas là. Tu fais. Ah Tu ouais. fais. On dit coro. C'est pareil. Tu Tu vas là. vas Nam vous. Ouais. NC, où est NC Ndembe? Si c'est un. Salam. Allez, c'est parti. Alors, les stands sont là. Premier stand. Vous êtes en direct sur Dunia Web. Je peux me permettre? Ok, on veut savoir un petit peu ce que vous faites là. Oui. Et je vois, il y a pas mal d'objets. Hein. On attend Donc, les de quoi chalandes. s'agit-il? Hein? Bah, c'est une entreprise qui vend des produits transformés aux Comores. Certains d'entre eux. Et donc, je distribue ces produits-là ici. Donc, c'est des marques, entreprises qui existent là-bas et je les distribue ici sur Internet. Sur la D'accord, ça se passe plateforme. que sur Internet, Oui, c'est ça? je suis sur Internet. Et puis, pour décembre, je serai Léal pendant 15 jours. Du 9 au 22 décembre pour pouvoir jouer Châtelet-Léal, c'est énorme. Ce sera où exactement? à l'intérieur de Châtelet-Léal. À l'intérieur, au centre commercial, à côté de. À côté de je sais plus. Célio, Zara, Non, le non, non, Forum, là où il y a non pas le dans le centre métro. commercial, là où il y a des Oui. métros. D'accord, là où il y a le métro. Il y a la ligne 1, il y a la 7, il y a la 11, il y a La RD. ligne D, la ligne A, non, la ligne D, A, B. Ok. Donc c'est, je serai dans une des boutiques là, et donc du 9 au 22 décembre pour venir faire vos emplettes pour Noël, pour ceux qui, voilà, des coffrets, des choses comme ça. D'accord. Et là aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez préparé? Je vois, il y a le chiffon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la nougatine des Comores. Oui. Donc c'est du caramel, du miel de canard, des sésames, un peu de poivre, un peu
de la cacahuète pour faire ça. J'ai de la poudre de moringa, j'ai un coffret pour justement offrir avec ou du entière de citron ou du entière de menthe. Avec de la vanille, de la cannelle. Entièreissé au citron ou bien... Citron ou menthe. Citron menthe, voilà. D'accord. Du thé, de la confiture, du piment. Et tout ça, c'est des produits qui viennent des Comores. C'est ça. Alors, c'est fait aux Comores ou bien c'est la matière à Mayotte. Voilà, c'est des agriculteurs qui sont là-bas et qui ont un atelier conforme à la française. J'achète et je revends ici. Fait là-bas par une personne qui sait faire. Le Msinzano, du coup, c'est fait par une association de mamans et moi ici je fais le packaging, les huiles de coco, l'huile essentielle, par... c'est une entreprise qui fait ça là-bas et je revends ici. D'accord. Donc le gros, c'est vraiment de la distribution de marques. La marque s'appelle comment exactement? Il y a plusieurs entreprises. D'accord. Et l'entreprise en question? De savoir, de l'entreprise qui fait tout ça. Non, ouais, par c'est exemple, plusieurs entités. Ah, d'accord. C'est différent. Là, ici, dans Juan, donc au Moas Moringa, j'ai sur les pots de piment de ces différents agriculteurs, sur le savon, c'est voilà. Donc, c'est différent. Il n'y a pas une entreprise précise. D'accord. Ok, merci. Aujourd'hui, c'est l'occasion de mettre en lumière tout ce produit. Tout à fait. Non, là, c'est pour les vendre. Ok. Sans eux, je ne pourrais pas avoir cette idée d'entreprise parce que l'idée, c'est vraiment de les mettre en avant et promouvoir du coup cette diversité de produits. D'accord. Alors, vous avez bien entendu que c'est une exposition hein, des produits locaux, des commandes qui sont ici. Moi, j'ai pu retenir que le Chimadjou. Ben, les hommes achètent la nuit. Les femmes achètent le Msinzano et les... Ah, le Msinzano. Vont faire les marques. Ah, je vous dis. Vous qui chouez Massiwa. C'est ça, hein? Comore, fait par la marque. Ouais. Pour rendre hommage au.